Salut à tous, c'est Alizé et Winter, on se retrouve pour un nouvel épisode de Diablo 3 en saison 21. Ça va Winter? Ça va, bonjour YouTube. Bon, alors, que de changements depuis la semaine dernière, Paragon 544. J'ai l'équipement de base, et je précise bien de base, du chasseur des démons avec le build que je veux faire. Du coup, nous avons l'intégralité de l'atout des terres des froids. Nous avons la petite ceinture Kourou du chasseur. Le duo Leg de Vala rosé. Le duo contrainte et catalyseur. Enfin, c'est plutôt catalyseur contrainte en fonction de ce que je vous montrais. Ouais. Le protégement de clarté. La saveur du temps. Et nous avons dans le cube le numéro 9. Les hautes choses de, des profondeurs et la conclave des éléments. Voici le kit starter de base pour commencer à jouer Chasseur des démons avec le nouveau set en saison 21. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rien, pratiquement rien roll, mis à part le casque qui est en ancien. Sinon j'ai roll des trucs, un peu les anneaux pour un peu de DPS. Sinon j'ai rien roll, j'ai voilà, on s'en fout, c'est du normal. Le but c'est d'avancer et de pouvoir récupérer des objets un peu mieux pour les améliorer eux et derrière bah, tout simplement monter en performance. Alors j'ai quelques cristaux, est-ce que je peux avoir un torse? Nope, pas de torse. Donc voilà, si jamais vous cherchez à savoir un peu qu'est-ce qu'il faut comme équipement, bah voilà la base. Avec ça, j'ai fait une 75. Désolé, merci. Pas ce oui, bah bien sûr, merci. Merci. Donc, une 75 en 2 minutes 30. Par contre, voilà, je suis une chips, hein, clairement. Pourtant, j'ai quand même 11 millions de robustesse. Ouais. Mais clairement, ça suffit pas. Hein. Une 75, je la fais en 2:30, mais. Mais il faut faire très très attention de ne pas se rapprocher trop des monstres parce que un grotesque qui explose et c'est la mort. C'est la mort. Un truc donc, important, faut avoir un beau CD pour la Vendetta. C'est 60% si je dis pas de bêtises. Voilà, quelque chose comme ça. Si on t'as est pas autour ça, des 60%. Galères. Ouais, voilà, j'ai combien? Réduction de temps. Tu dois avoir pas plus de 30, non? J'ai 40 presque. Ouais, presque 40. C'est déjà, ça commence. Ouais, mais comme j'ai rien roll sur aucun équipement, ouais. Voilà, pour l'instant, c'est... Il faut en mettre un maximum possible. Bah, exactement. Dès que j'aurai l'équipement adéquat pour utiliser mes ressources afin de les améliorer, je le ferai. Là, ce n'est point le cas. Ce n'est point le cas. Et du coup, bah, toi, juste, j'ai regardé un petit coup. Merde. J'ai fait des trucs bizarres. Hop, esquive. Voilà. Voir le profil. Inspecter. Alors, ancien. T'as ce qu'il faut comme réduction de temps de recharge, toi ou pas? Regarde sur mon cube. Ah, t'as mis l'anneau de Zodiac. Ouais, donc du coup, tu perds la conclave pour le boost. Non, je l'ai sur moi là, j'ai choisi promesse du voyageur. Ouais, ok. Voilà. Ouais, en fait, moi, je l'ai fait telle sorte que le jour où tu sors ton DH support, que je réduise énormément le temps contre le boss. Parce que tu verras par la suite que plus tu montes haut avec ce build, et plus la grosse galère, c'est le boss. Si t'as pas un bon boss qui fait des trash ou des trucs comme ça, tu galères à mort pour finir ta faille. Pourquoi? Tu te fous une avance de ouf. Ben, tu sais qu'il marche sur le dégâts de zone, ce build. Ouais. Mais bon, après les dégâts de zone, tu sais comment ça fonctionne. C'est t'infliges un dégât à une cible et t'as un montant correspondant au dégât initial de la cible à infliger aux autres. Oui, en l'occurrence, quand t'es mono... Si t'as plusieurs explosions de dégâts de zone, on va dire, qui s'entrecroisent, ça s'accumule. Oui, je suis d'accord, bien entendu. Si tu touches la cible 1 et qu'elle inflige 50 blessures à la cible 2 et que tu touches la cible 2 et qu'elle inflige 50% de blessures à la cible 1, on est d'accord que tu fais 150% sur les deux cibles. Et le but du jeu, c'est ça, quoi. C'est de prendre des élites
et de leur mettre une masse. Ouais, mais sauf que la rose des vents, enfin le set de la marche sans fin, te booste pas ton DPS en fait. Il booste seulement la flèche vorace, d'accord. Pourquoi il booste vorace. Ben non, il booste rien du tout, la rose des vents. Ah, la rose des vents, pardon. Oui, enfin, la marche sans fin. Bah, je te montrerai, mais il y a. Comment dire. T'as le sentiment que ça fait pas de dégâts parce que à moins tu bouges. Donc, du coup, t'as plus le truc de dégâts puisque tu es en mouvement. Mm-hmm. Mais il y a un moment donné, quand t'as suffisamment stacké. Comment ça s'appelle. Tes fléaux des AKB avec quelque chose d'un peu récalcitrant. Il y a un moment, et si tu joues sur la limite entre tourner et taper avec ta flèche vorace en statique, c'est-à-dire en auto-attaque. Il y a un moment donné où tu fais quand même énormément de dégâts, tu vois. Ouais, t'en fais pas beaucoup plus. Hein. T'as vu comment ça monte doucement, le pourcentage de dégâts supplémentaires. Ouais, alors que en fait, avec le contraint de catalyseur, t'es à 100% de dégâts supplémentaires. Avec le contraint de catalyseur, t'es à 125%. Avec la promesse des voyageurs, si tu te débrouilles bien, t'arrives à atteindre les 100%. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Non, contraint de catalyseur, c'est 100%. Non, contre le catalyseur, c'est 125%. Non, c'est 100%. 50% pour une attaque qui génère des ressources et 50% ouais. pour une attaque qui consomme des ressources. Ouais, mais c'est multiplicatif. Hein. C'est pas additionnel, c'est multiplicatif. Et en tout, ça fait, je crois, dans les 125% en tout, quand tu es au maximum. Donc, si c'est multiplicatif, ça fait c'est pas simplement ajouter les deux, quoi. Tu vois ce que bah, je veux ouais, dire. Mais c'est dans pas ce... exactement, mais non, c'est mais... pas juste additionnel. Pour... N'empêche que là, en l'état, pour moi, c'est 100% de dégâts. C'est pas 125. Pour moi, juste le 7, voilà. C'est 100% de dégâts. Avec la promesse de voyageur, regarde. Si, imagine, je suis statique. Je fais mon auto-attaque. Il y a un moment, je vais atteindre mes 100%. Tu auras perdu, t'auras perdu plein de choses. Peu importe. Parce que quand même, quand tu as suffisamment stacké la flou des AKB, parce que c'est ça, il faut jouer sur ça, en fait. Hein. À un moment donné, une fois que tu as tes 100%, grosso modo, hein, de ta promesse des voyageurs, tu commences à tourner. Et tu sais que ça monte très vite les trucs de. Comment ça s'appelle ? D'inertie. Tu les as déjà, puisque tu as fait ton auto-attaque. Et tu tournes, et là, comment ça s'appelle ? Ta guque, elle monte très vite. Dès que tu touches quelque chose, ça va très vite, sachant qu'avec ta. Comment ça s'appelle ? Voilà, elle transperce, elle touche des tonnes de bonhommes très vite. Tu mets combien de temps pour passer de 50% de réduction de dégâts à 100% de dégâts Attends, je vais te dire ça. J'imagine, je tourne, je vais monter au maximum. Touk. Maintenant, je fais ça. Voilà, je suis à 100. Tu vois, et en plus, j'ai mis. Mes trucs là, comment ça s'appelle, vivacité, qui sont au maximum. Juste au moment où voyageur est au maximum, j'ai mes vivacités au maximum. Donc, je vais peut-être perdre 15% de ci, de là, tu vois, de temps en temps. Ouais, non, je pense que c'est pas régulier, c'est pas rentable pour moi. Enfin, non, je pense que tu perds du DPS à faire ça. Mais après, c'est toi qui gères ton build. Pense que c'est moi, pas forcément... L'avantage, moi, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a permis de mettre dans le cube le Zodiac pour ne plus avoir me soucier de mettre une tonne de CDR sur mon build. Du coup, d'aller à mort sur tout ce qui est dégâts de zone. Parce que je te dis franchement, le dégâts de zone, ça fait mal. Hein. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que tu sautes aussi à cause de ça la saveur du temps et du coup, ça t'augmente les durées des pylônes de x2. Il y en a, ils jouent même pas avec saveur du temps, ils jouent avec la morveuse. Ils prennent morveuse, oui, conclave. Ça, c'est ça. La morveuse, c'est ceux qui sont confiants et qui ont un petit peu de robustesse. Non, même pas forcément. C'est des personnes qui sont aussi confiantes dans leur gameplay et qui savent vraiment jouer. Et j'appelle ça des joueurs, ceux qui en profitent, qui montent, qui sont performants avec ça et qui arrivent à performer. C'est ceux pour moi qui sont vraiment qui ont du skill et qui maîtrisent bien leur perso quoi. Voilà, sur la pointe, si tu regardes bien ceux qui jouent comme tu dis,
ils n'utilisent pas, comment elle s'appelle, Vala, ils utilisent la forteresse de je sais pas quoi. Oui, là. Pour compenser un petit peu le, voilà. avec le parce que effectivement, si tu te fais toucher, si tu fais pas gaffe, c'est du one shot. Oui, non, je pense de toute façon, il y a des changements à prévoir, mais pour ce qui est de contrainte catalyseur versus la marche sans fin, je pense que le contrainte catalyseur est plus puissant. Par c'est contre, plus instantané, on va dire. C'est plus instantané. Et puis c'est régulier. T'as 100% de dégâts régulièrement. C'est ce que je veux dire par instantané. Tu fais ton clic gauche, ton clic droit, pouf, ça. Oui, mais le fait d'être instantané ne signifie pas que c'est régulier. C'est deux choses différentes. Le fait que t'aies tout le temps 100% de dégâts supplémentaires te permet d'avoir un DPS nivelé et constant. Toi, en fait, il va falloir que tu t'arrêtes pour avoir ton pic de DPS qui va redescendre. Je dis franchement, c'est ce que je me suis dit au début. Hein. Mais après de la pratique, bon, je ne suis peut-être pas à 100%, mais souvent à 80%, je le suis souvent. Je dis franchement. C'est après, il y a la manière. Ouais, après, il y a quand même 20% de... Y a, en fait, que... ouais, tu perds parce 20% que... de DPS potentiellement avec ça. Et puis, en fait, du coup, derrière... bah, en tout cas, de mon point de vue, ça t'empêche d'avoir justement des pylônes qui sont x2 et qui apportent un énorme boost au niveau du personnage. Avoir les pylônes qui durent plus longtemps, ça peut faire une faille clairement. Gigantesque. Hein. Mais bon. Après, c'est chacun son gameplay, ouais. ses préférences ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Bon, du coup, on va tester tout une petite 90 pour. Pour tester, je ne sais pas si je tiendrai, on verra bien, mais petite 90 histoire de se lancer. Hop, 90. Et du coup, et je sortirai mon support derrière, ouais, petit DH support. Pour voir ce que ça apporte. Alors, tant que j'arrive. Bon, j'espère que je vais pas me faire attaquer par une chauve-souris quand même cette fois-ci. Voilà, c'est comme on appelle ça le jeu. Quand tu as un jeu vidéo, quand ça. On essaie de le rendre super réel, là. Ça s'appelle augmenter. La réalité augmentée, ouais. Ouais, la réalité augmentée. Ou la réalité virtuelle, ça dépend. On dit. Voilà, c'est la réalité... la réalité réelle, quoi. Ouais. Là, j'ai la latence qui est au rouge. Waouh. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis au rouge comme ça? Voilà. Tu m'as laissé l'élite, là. Il y en a un qui est mort. Il y avait double élite, ouais. Ah, saleté de foudre, quand Jar apparaît. Ah, ça y est, j'ai la lampe qui est revenue. Ah, satané foudre qui m'est tombé dessus au moment où j'allais j'allais physiquement réapparaître. Alors. Bon, moi, je fais office de figurant. Ouais. Je le dis. Par direct. Contre, je joue en fonçant, hein, je te préviens. Ce build, il faut bouger, hein, il faut y aller, il faut pas hésiter. Hop. Moi, je suis en train de. Oh, ces trucs de feu au sol là, qu'est-ce que ça fait mal! Ah, là-bas! Donc là, on va voir un truc qui va arriver. Ouais. C'est pas la boule de neige? Ah non, c'est le météore. Ah ouais, après, tu verras, finalement, les événements, ils sont sympas à jouer quand même. Par contre, c'est très RNG quoi, c'est. Une fois sur deux, ça t'apporte quelque chose. Une fois sur deux, t'es là. Bah, t'es moi, j'en ai eu plusieurs et en fait, tu vois, comme là, tu passes les niveaux et du coup, il se passe rien. Voilà. Il y a une gestion un peu comme la fois où il y avait les trucs, là, je sais plus comment ça s'appelait là, cette saison, où il y avait eu là, un peu le même style de mécanique là, où il fallait tuer le plus de mobs possible et que ça faisait que. Ouais. Tu faisais beaucoup plus mal quoi avec l'événement quoi. Bon, je vais arriver moi. Ah. Bon, moi j'arrive à tuer des élites en 90, c'est une bonne chose. Ouais, faut juste que tu fasses gaffe de pas te faire one shoter quoi. Faut que je fasse très attention à ce que je fais, où je me positionne. Parce que la question elle est vite répondue. Putain, double élite. En plus, moi je rame par contre. J'ai la latence qui déraille. Waouh. C'est la chauve-souris, elle a croqué ton fil. Ah, peut-être, ouais. Hop. T'es où? T'es là? Le crabe, il t'a tué. C'est ça. Hop. Ah, ça y est. C'est redevenu normal, là. Hop. Ça y est,
T'as besoin que je te réanime, pas? Non, ah. C'est bon, j'ai ressuscité âgé. T'as ressuscité âgé? Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de reviendre à la vie. De reviendre? Ouais, ouais, je reviendrai. Alors, j'esquive les grotesques, là. Là, par exemple, tu vois, dans le cas de figure, là, en fait, là, d'avoir les pylônes x2, c'est... Ah, c'est clair. C'est le paradis, hein. Mais bon, après, quand tu arrives très très haut, le maton ne fait pas tout, quoi. Bah, en fait, comme en plus, les pylônes sont plus ou moins... Oh là. Après, plus ou moins correspondant au niveau et à ton DPS, en fait, ça apporte quand même pas mal de trucs. Après, j'imagine que d'avoir une puissance juste avec le boss, ah, ça peut te déchirer. Hein. Ah bah, c'est la puissance. Ouais, en plus, tu peux faire pendant longtemps, tu vois. Tu stacks en même temps que tu fais des dégâts, quoi. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Non. J'ai peut-être un arc et des brassards. Ah. Voyons voir ce que ça donne. Hop. Alors. À voir. Et. Je sais pas, je vais regarder. Par contre, tout le reste. Ça dégage. Merde, pourquoi je veux l'arme? Et je mets une heure à venir, moi. Oh là là. Allez, allez, allez. One hour later. C'est clair. Allez, allez. C'est énervant, ça. T'es pas sûr d'être là à la fin de la faille. Peut-être pas. On ne sait pas. Du coup, je sauvegarde ça. Et oh là là. Alors. T'es toujours là? Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est mieux que ce que j'ai. Et ça, ça fait plus de dégâts, mais on s'en fout. Bon, j'ai de la merde. Ça fait plus de dégâts, mais est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? Non, mais on va le mettre quand même. Hop. Voilà. Hop. Alors, moi... Me manque encore deux objets anciens que j'ai pas. Les brassards. Je t'ai entendu cliquer. Hop. J'ai entendu le tic 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 tic. Tel un oiseau qui picore. Et oui. Alors, j'en ai encore plein. Ah, ils veulent pas me les donner, hein. Ah, c'est quoi ce truc? Ah, t'as fait un event. Comment on appelle? Un achievement! Voilà. J'ai dû avoir en fait tous les objets de tous les sets ou je sais pas. Ah ouais, ah ah ah! C'est pas ça? Il est le truc. Ah, j'ai eu un deuxième set complet. Non, c'est quoi? Terminer deux des ensembles de la classe suivante. Ok. D'accord. Voilà, c'est cool. Trop bien. Yeah. Il me compte la vengeance de Natalia et l'essence désacralisée, mais il prend pas en compte les nouveaux sets. MDR. Alors, bon, ça y est. Eh ben vas-y, on va faire la même chose avec le support. La même chose. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. J'ai pas regardé, on a mis combien de temps. Bah, de toute façon, on verra tout de suite si. Je sais pas combien de temps même. Bon, déjà, il faut que j'arrive. J'espère que t'as pas un élite juste d'entrée de jeu. Bon, j'arrive là. Ah, j'ai à peine d'arriver. Hop. Alors, t'es où? T'es là. Faut suivre le truc qui fait plein de pataboum. Allez, je lag. Allez, 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 on avance. Hop. On dirait que ça te donne un peu de contrôle. Que tu t'en prends moins un peu la gueule. Oh là, je lag.
La double élite là. Ah bien, on a machin là. On a la protection, tranquille. Hop. Ça a l'air d'être plus facile avec le truc là. Ouais, y a pas de... avec le support, ça fait gagner du temps. Ah, je suis arrêté sur image là. Ah. Ah, ça y est, c'est revenu. Y a trop d'effets. Ah, c'est peut-être ça. Il y a un autre élite là. Il arrive. À force de laguer comme ça, je vais finir par mourir. Hein. Il est où? Il est là. Hop. Ah, mais il y en avait deux dedans. Ah, il y en avait deux? Ouais. J'ai ramassé genre 15 000 boules là. Ah, un élite. Deux élites là. Ouais, tiens, bah regarde. Tout ça! Oh, ça va super vite là. Bon, à part que je lag trop, mais c'est con. Hop. Allez! Passe pas l'immobile. Voilà. Ah, j'ai ma souris, ça y est, elle se barre. Reviens ici! C'est une souris qui te l'a volé. Ah ouais, ouais. Je vais mettre une heure à venir. J'espère que je vais être là à la sortie. T'inquiète, je suis en train de faire un petit pack là. Après le support il fait des dégâts quand même parce que d'après ce que je sais il a le. Comment ça s'appelle? Le truc qui augmente de 100, 150 ou quelque chose comme ça. Oui, j'augmente les dégâts de toutes les sources. Voilà. Ah, je vais y arriver ou pas là? Oh là là. On en revient un peu au build que je faisais n'importe quoi. Ouais. Et je mets une heure à venir. Bon, ben, faites-nous un beau pack. Hein. Le temps que j'arrive. J'ai failli, j'ai mon passif qui s'est enclenché. J'ai fait le malin. Allez. Je suis en élite là. Oh là, je vais mourir. J'ai eu chaud. Moi, je suis sur arrêt sur image là. Ah, ça y est. Ah. C'est lui là qui t'embête là. Voilà. Putain, la vache, on a pu utiliser le temps quoi. Ah ouais, non, mais là, ça fait gagner énormément de temps. Parce que tout est bien paqué. Les dégâts de zone font super mal. La flèche là qui fait des dégâts quand elle transperce. Il a pas dit qu'on a fait un meilleur temps que l'autre d'avant. Bizarre. Vous êtes surpassé en atteignant le palier 90 en 3,43. Ouais. Et là, on a fait. Bah, je sais pas. On a fini avec 10 minutes, 10 minutes 56 d'avance. Bah, du coup, on a fait plus. Non. Bah, si. Avec 11 minutes. Ah ouais? On a fait 11 minutes et 16 secondes d'avance avec l'autre. Étonnant. Ouais, c'est. Je suis étonné là. Mais qu'est-ce qui me fout du croisé aussi là? Qu'est-ce que c'est? Après, c'est peut-être. C'est peut-être le fait que moi je mettais des heures à arriver, peut-être qu'il a fait perdre du temps, peut-être, je sais pas. Peut-être, je saurais pas te dire. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que ça allait super vite, hein, pourtant. Bah, en tout cas, c'était peut-être plus fluide pour toi. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on monte difficulté et qu'on. Ouais, qu'on voit un peu, ce que ça donne. Ah, j'ai pas monté mes gemmes moi aussi, je crois pas en fait. Je suis parti comme un voleur. Ouais, puis mes gemmes, hein. elles sont pas montées du tout quoi, genre. Oui. Ouais, sur mon support, elles sont. J'ai une 5 et une que je vais monter, une deuxième 5 là. Et puis il y en a une autre que je vais monter 2. Moi je mets une heure à rentrer à la base. Je suis même pas sûr d'arriver à bon port là, tu vois. Voilà, bah tiens, je vais fermer la faille comme ça tu rentres concentré dedans. Allez. Voilà, j'ai déco. Non, moi je t'apparais comme déco là, non?
Non, t'es toujours avec le petit sablier. Ouais. Ah, attends. Ah, là j'ai dû découvrir. Later. Non, t'es toujours ouais. dedans. Pour le jeu, je te dis, j'ai fermé la faille, t'es resté coincé dans la faille. Tu n'en ressortiras jamais. Bon, allez, on se réveille, lundi. Allez. Enfin, ou Blizzard, je sais pas qui c'est qui déconne, si c'est moi ou... Oh, c'est toujours toi. Ah, allez. Ah ben, je suis toujours là. Allez, je relance. Pop. Des petites épaulettes toutes pourries. Ah, des petites épaulettes encore toutes pourries. Attends, il me fuit deux épaulettes. Ah, ça y est. En fait, voilà, t'es de retour. Comme la Team Rocket, pour nous jouer un mauvais tour. Même là, il faut le temps que j'arrive. Allez! Bon, bah, je me casse, hein, je reviens la semaine prochaine quand, quand tu seras arrivé. Alors, je me remets l'équipement propre. Hop. Vas-y, petit coup de nettoyage. Ah, j'ai des valas, deux valas sur moi. Attends, peut-être que ça va t'intéresser. Je vais où, du coup? Elle est bonne. Oh, ah, attends. Est-ce qu'elle est meilleure que la mienne? Non, ça va, je te la donne. Tiens, une ancienne. Ah, attends, le temps qui se débloque un peu, là, parce que le bruit qui circule n'importe quoi. Elle est où, la valade? Elle part dans tout l'écran. Elle s'est baladée sur l'écran. Ah, ça y est. Eh ben, c'était dur. Voilà, hop, merci. J'en ai une autre, mais elle n'est pas ancienne. Et j'ai un truc, là, pour tes bola. Est-ce que tu l'as sur toi ou dans le cube? Le quoi? Ton... Comment ça s'appelle? Achir? Ouais, c'est ça. Non, ouais. Havresac. Oui, Havresac, ouais. Ouais, je l'ai sur moi, là. Tiens, je te le passe, on sait jamais s'il est meilleur. Non, et là... je te le rends. Non, poubelle. Par contre, c'est cool, t'as eu une arbalète une en deux... ancien. Enfin... Tu m'as donné, précisons bien les choses, c'est que jamais moi qui récupère les objets, c'est toujours toi qui me les file, c'est hallucinant quoi. Bon, elle est pas parfaite, mais ça va t'augmenter ton DPS. Oui, clairement. Alors monta à combien là? Bah vas-y, 100, allez. Allez, soyons fous. Allez. La folie, foulée, furieuse. Philippe, je suis une petite cache. Bon, j'espère que j'ai pas lagué comme un fou. Allez, bon, déjà il faut que j'arrive. Oh, mais les bruits que ça fait quoi. Ah, ça fait du bruit. Hein. Bon, j'arrive pas. Je veux venir, s'il vous plaît, je veux être dans la faille. Ah, ça y est. Alors, si tu vas dans le mauvais coin, ça. Bah ouais, ouais. Il fait n'importe quoi le fou. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, allez, ici. Hop. Hop. Attention, laser. Il a l'air chiant, lui. Il faudrait qu'il sorte de là. Là. Là, normalement, il devrait mourir. Aïe. Ah, puis l'intelligence artificielle est vicieuse avec les DH. Hein. Oh, elle te met dans des situations, des couloirs, des ennemis bien chiants qui veulent pas sortir des couloirs. Elle te facilite pas la tâche. Hein. Ah, je lag. Oh là. Aïe. L'explosion du t'as grotesque m'a juste activé mon passif. Un petit edit ici. Hop. 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 Ah, j'allais oublier les boules. Comment ça, t'oublies les boules? C'est pas bien ça d'oublier les boules. Hein? Eh oui.
Bon, du coup, j'attends que tu arrives parce que sinon, ouais. Je galère comme un ouf et je sers à rien. Oh, tu vas faire des dégâts quand même, hein, avec le mélange flash vorace et construction. J'ai 280 000 DPS là-dessus. D'accord. Par contre, moi, je suis à 75,6. Ah, t'es. Je suis ressorti. Ah, ma sœur m'a fait faire n'importe quoi encore. Ah, putain. C'est bon. Ah, un élite là-bas au fond. Allez. Oh, je lag. Allez, allez, allez. Ici. J'ai failli mourir là. Par contre, c'est le seul le côté négatif, c'est ça. C'est. Que je peux pas soigner. Ouais. Ici t'as le pilote. J'avais pas vu. Bon, bah. Je te laisse faire pour le faire sortir le lit, j'imagine. C'est ça. Bon là je suis arrêté sur image. Hop. Là. Il y a tellement de gestion de contrôle. Et puis encore j'ai plein de trucs. Ah oui le contrôle que j'ai pas. Ouais. Allez, j'arrive, hein, le temps que mon personnage il arrête de faire le l'image Inca là, l'image il s'appelle. Il y a un élite juste là. Égyptien. Ouais ouais je l'ai vu. Hop. Hop. Il y a encore une boule là ? Non, c'est bon. T'aimes ça les boules hein, mon petit coquin. Les poteaux et les boules. Y'a un élite quelque part là? Non. Je vois rien du tout. Y'a rien à voir. Circuler, y'a rien à voir. Par contre, j'ai l'impression que ça me fait là, énormément là. Ah, ah merde. Y'a un élite. Complètement là. Tu reviens ou... Je reviens, ouais, je reviens. Mais le temps que j'arrive, peut-être tu l'auras eu. Y'a un pilon, on rentrera. Oh là, il fait laser. Oh là. Pourquoi je vais en arrière comme ça? Il fait n'importe quoi mon personnage, il bouge tout seul sans que je lui demande. Là. Une boule ici. Et il y a un pylône juste à l'entrée. Hein. Ouais, j'attends que tu arrives. Hop. Il est où? Ah, il est là. Là, il est mort. Je suis prêt. Pourrir. Enfin, voilà, si moi j'arrive là, voilà. Ouais, ils sont tous enchaînés. Et du coup, c'est parti pour la session de Pâques. Eh ouais, ah, c'est Pâques. C'est Pâques. Un petit Oculus. Ça fait du bien aussi, l'Oculus. Là. Hop, parfait. Un petit élite ici présent. Tout à fait Thierry. J'ai encore du mal à gérer tous mes spells parce qu'il y en a 50 000. Ouais. Hop. Il en reste un là, juste là. Ouais. Et il est mort. Et il m'empêche de prendre la dernière boule. Voilà, là. Hop. Il y a un élite ici. Il arrive. Hop. Et voilà, c'est parti pour la session. C'est parti pour la session de Pâques. Hop. Hop. Ah merde, je suis mort. Ah. Je manque encore de robustesse quand même malgré tout. Ouais. Parce que j'ai le même équipement plus ou moins que. Ouais. Non mais ça va, avec une cente, tu te sors bien. Ça sort bien. Il y a un pylône ici. Alors là, tu vas être tranquille là. Avec une sang, je m'en sens bien, c'est ça? Voilà, tu t'en sens bien. On sent bien. On sent bien. Nom de Dieu. Il est où le boss? Il est là. C'est parti. Ah, là. Alors, ben, c'est un bon test, hein. En plus, c'est un boss bien chiant. Bon, ça va aller vite, hein. Ah oui, là, 100, ça va, quoi. Regarde, je le gèle. Et encore, j'ai pas de. Je peux me permettre même de pas bouger, regarde. Hop.
Je vais même faire ça en plus. Rien qu'en auto-attaque, je lui fais du mal quand même, tu vois. Tu vois ? Et voilà. Cool. Trop facile. Trop facile, vas-y. Mais alors, tu imagines quand tu auras du Super Mastos ? Du Mastos ? Du Mastos. Le Super Mastos. Super Mastos. Alors là. Et voilà, il y a les flammes qui arrivent après. Voilà, à la fin. C'est super, ouais. Très intelligent. 7 minutes 14, je crois, c'est ça ? C'est ça. Classement. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que le. Ah, des brassards. Ah putain, chiant. Ouais. Des protège-moi de clarté en ancien, mais qu'avec 4,5% de CC et pas d'éléments dessus. Par contre, ah, j'ai la ceinture courroux du chasseur en ancien. Cool. Ça, c'était une bonne chose. Ah. Ouais, elle est en ancien, mais elle est un peu basse, la toute jaune là. Bah, tu veux que je te file la mienne ? Waouh, pourquoi pas, ouais. On va voir, hein. Si j'arrive. Après, bon, j'avoue qu'elle est quand même. Elle a l'air plutôt bien et ça m'embêterait quand même de te la donner. Bon, si après tu veux, pas de. Ah bah, si tu la veux, garde-la. Bah, elle est à 184 ouais. Dégâts. Dextérité, vitalité. Olrezi et Flèche Vorace. En fait, ah bah t'as quitté la partie. Ah là là. Voilà. Ça va revenir. Ah mais garde-le pour l'instant, ça va te servir plus qu'à moi. Pour moi je peux toujours en reforger une tôt ou tard. Tu vas surtout en faire tomber une tôt ou tard. Ah ouais, c'est la seule que j'aurai. Moi ça va être la seule que j'aurai. C'est genre, tu vois ça, et bah c'est le seul objet intéressant que tu vas. Que tu auras dans ton équipement. Pour le reste, oh, tu vas te faire foutre. Ah, alors, du coup, même. Ça m'augmente de combien ? 7% de robustesse, 1,5% de dégâts. C'est bien. Et la Vala, elle me fait 13% d'augmentation cool. De DPS. Et sans mettre d'émeraude dedans. Oui, sans rien du tout. Voilà. En fait, tu peux monter beaucoup plus haut. Ça y est, je suis rentré, tu peux fermer la faille. Enfin, normalement, je suis rentré. Ah. J'apparais comme si j'étais revenu ou pas ? Bon, normalement, j'ai fermé la faille, ça devrait être bon. Ah merde. Non, mais ça devrait être bon, ça devrait ouais. Ça devrait être pris ah, en ouais, compte. Ah ouais, c'est bon. T'es chez rouge, là, on attend ça. Waouh. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes ? Que dalle. Ninja Homme, ça t'intéresse ? Ah, bébé, à fond, totalement. Genre, je m'équipe de bâton. Je rigole. Ah, tu rigoles ? Oui. Je m'équipe pas avec des bâtons. Je vais te le foutre ailleurs, moi, les bâtons, tu vas voir. Ah, tu la veux finalement ? Ah, c'est toi qui vas te la prendre, ouais, surtout. Non, mais Et l'art du crime, ça t'intéresse ou pas ? Ouais, pour mon support, histoire de réduire l'endurance, c'est bien ça. D'accord, allez, je te la passe. Bah, si elle arrive, je vais t'étrangler avec, ouais. Non, je m'en fous. L'art du crime. Elle est ancienne, c'est pour ça que. Ouais, mais je l'utilise pas. T'as des pieds peut-être qui vont être mieux que le tien ? Il y a de la res dessus. J'en ai déjà. Et ils sont moins. J'ai le même nombre de vitalité, j'ai un peu plus de dextérité. Pour la reforge, alors. Je crois que je vais reforger, laisse tomber. Bah, je sais pas. Hein, non, je reforge pas les objets de set. Ouais. Ça tombe beaucoup trop pour que ça soit. C'est reforgé. Vrai que plus ça va, plus je me demande si c'est vraiment rentable, sauf si tu fais comme un fou furieux des prix tout le long de la saison, ce qui n'est pas le cas. Attends 3 secondes. Ah, excuse-moi, faut que je réponde à un appel un peu important. J'arrive. Vas-y, vas-y. Un petit peu important, plus que moi. Bon, et du coup, pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu l'équipement du support. Parce que, voilà, j'ai joué avec, mais je ne vous ai pas présenté ce qui le compose.
Et c'est vrai que le gameplay est assez particulier. Donc nous avons ici le bonus 4 pièces pour 3 pièces de l'atout de la Terre d'Effroi. Épaule, gants, torse. On a deux parties du maraudeur. Ici les bottines et le caleçon. On a derrière la couronne de l'héroïque pour augmenter le point de vie, en tout cas du personnage. La saveur du temps, la saveur du temps, brassard de forte poigne, l'anneau de grandeur royale pour permettre d'avoir le bonus 3 pièces, enfin le bonus 4 pièces pour 3 pièces de l'atout des terres d'effroi, un anneau de l'oculus, un arc léonin d'Achir et le havresac des Mimés. Et puis après, au niveau du cube, fin de l'Odyssée, brassard de Némésis et anneau insaisissable. Voilà pour l'équipement du DH support. Et donc, par rapport à ça, de toute façon, il va falloir que j'améliore un petit peu tout, histoire de tanker un peu plus et de pouvoir être un peu plus performant, ne serait-ce que par l'équipement, et ensuite après, ne serait-ce que par la maîtrise, parce que c'est vraiment space à jouer le support. Hein. Ah ouais, c'est bizarre. Parce que t'as Rafale, ouais. Du coup, t'as les bolas pour pack et geler les ennemis. Tu as le tir constricteur pour ralentir et appliquer le bonus de dégâts supplémentaire. Ouais. Et tu as le tir multiple avec la rune de glace qui permet la rune de froid qui permet de glacer les ennemis. Donc ce qui se passe, c'est que à la fois avec le packing, tu appliques le bonus sur le brassard de forte poigne qui font que les ennemis repoussés subissent 20% de dégâts supplémentaires. Donc comme ils vont être repoussés, machin, ils vont être bounce, etc. 20% de dégâts supplémentaires là-dessus. Tu as derrière le tir multiple qui glace les ennemis. Donc tu vas pouvoir faire en sorte d'appliquer les différents bonus liés aux gestions de foule. Tout ce qui est ralentissement, etc. Donc tu vas encore appliquer 20% potentiellement sur le DH plus la gemme légendaire. Et derrière, tu as le tir constructeur qui applique un bonus de 150% de dégâts supplémentaires. Ouais. Et avec le côté contrôle qui permet justement de geler les ennemis. Ouais. Voilà, là t'as la gemme Instagel qui dit que les ennemis qui sont glacés ont 10% de chance supplémentaire de subir un coup critique. Donc ce qui va se passer, c'est que tu vas en plus encore augmenter les pourcentages de chance de coup critique. Tu réduis en attaquant avec des attaques de froid la vitesse de déplacement de 7% des ennemis. Enfin, t'as plein de choses, t'as plein de trucs qui rentrent, qui rentrent ensemble. Et du coup, ça fait des chocs à pic. C'est clair. Voilà. C'est clair. Ça a l'air efficace quand même. On n'a pas vu la différence à la première. On verra quand on aura un peu plus step up, surtout moi en termes de niveau, qu'on ira un peu plus haut dans les failles, ça sera plus représentatif que ce qu'on a fait là. Mais voilà un peu l'idée du perso et de son fonctionnement. Ouais. Hop, j'équipe le Rafale. En plus, il ne faut pas oublier, s'il y a les événements aussi, il y a une maîtrise à avoir hein, pour à progresser dans les failles. Ça fait quand même son effet quand même. Hein. Bon, c'est beaucoup plus aléatoire que dans d'autres saisons, mais oui, il faut en tenir compte. On verra ça de toute façon au fur et à mesure. On est au début de la saison pour le moment, donc du coup. Mais on va essayer de monter. Je vais essayer de m'équiper un peu plus et on testera plus en détail et plus en profondeur. Le petit DH. Bah, du coup, on va se laisser là pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à visiter mon petit lien YouTube. Nous, sur ce, on vous laisse là et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao YouTube.